Salut tout le monde, c'est Narki et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Devil May Cry. Dans le dernier épisode qui est le 9 si je ne me trompe pas, on avait réussi à faire cette pierre élixir pour nous permettre de sauter dans le monde inférieur. Donc là j'essaye de retrouver juste la sauvegarde qui doit être celle-ci. Yes, on est parti. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Pensez à partager et à vous abonner pour voir toutes mes vidéos. Et on est parti dans le monde corrompu. Non, c'est juste l'entrée. Il va falloir trouver l'entrée, quoi. C'est ça? C'est ça. Ça aurait été rapide. Ah. Très bien. C'est un livre qui indique comment entrer dans le monde inférieur. Le mal représente l'homme. Le mal est donc dans le miroir. Un être aux caractéristiques diaboliques apportera la pierre bleue. L'élixir et se placera devant le miroir. Bon, c'est nous, je suppose. Ouais, je me souviens pas que ce soit aussi dark. Bonjour! J'aurais peut-être dû lui demander le chemin en fait. Parce que là, on est perdu. Ah, l'élixir réagit fortement à l'autre tableau. Les balettes se voient dans l'autre tableau. Ah bah oui, c'est la pièce où il y a le miroir avec le lit et tout. Je me souviens de ça. Le miroir réagit à l'élixir et le reflet qu'il renvoie est de plus en plus étrange. Ok. Ok. Ah, j'aime pas, j'ai mal aux yeux là, cet effet thrombostopique de merde. D'accord, donc vraiment, monde miroir pour le coup. C'est gerbifiant. Ok, obligé de sauter. Ah. Pierre philosophale, clé qui permet d'ouvrir le portail du monde inférieur. Yes. Ah, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Bonjour! Ouais, non! Putain, c'est des zombies zombifiés. Yes. Je vais dire SDF, mais du coup. Oh putain, c'est quoi ces esquives dégueu là? Bon. Voilà. Ok. Ah ouais, ils mettent des masques. Ouais, c'est mieux. Comme ça, on va pas me sale gueule. Mais du coup. What? Très bien. Oh putain, j'aime pas du tout. Il y a un œil qui est par terre. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est des yeux qui explosent. Très bien. Bon, ok. Ah, il explose quand il meurt. Putain. Ah, c'est dégueulasse. Ah putain, je fais la même connerie. Putain, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, c'est par où? Bon, en plus, ça gêne derrière. On dirait une de mes collègues, putain. Hop. Ok. Ok. Ah, il y a une pierre là-bas. Mais. Oula, il y a une pierre là-bas. Bon, je vais essayer d'aller la chercher. Bon, bah, je sais pas. Je dois pouvoir aller la chercher depuis l'autre côté, mais là. Ça ne me parle pas du tout. Et maintenant, du coup, où est-ce que je vais? One eternity later. Ah bah voilà, dans l'église, ok, avec la grosse merde. La vague maléfique réagit au pouvoir de l'élixir, il commence à s'activer. Okay. Yes. Plouf. Ok. Oh putain, j'aime pas du tout. Ah, j'aime pas.
Ah, ça m'explose l'œil là. Ok, ça j'ai encore. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres ennemis zombifiés. Les ténèbres maléfiques tournent sur elles-mêmes et ressemblent à une bouche ouverte. Ce doit être le portail du monde inférieur. Les choses sérieuses commencent. Dois-je utiliser cet objet? Yes. Let's go! Ah, la mission terminée. B? Sérieux? Avec le temps que j'ai mis? Bah putain. Face à face avec le cauchemar. Allez à l'endroit du sacrifice. Let's go. Ok. C'est très organique comme, comme endroit quand même. Ah. Oh. Yes. Ah non, pas eux, putain. Voilà, tiens. Ils sont pas plus lents qu'avant. Oh putain. J'ai rien dit. Du coup, je sais plus du tout lequel je tapais. Ah ouais. Ah! Tu voulais taper, hein? PD! J'avais jamais vu sa tête. Je savais pas qu'elle avait une tête d'ours. Et que c'était une femme, en fait. Ok. La déesse du temps, donc. Ok. Je rentre dans un utérus. Ok, il suffit juste de toquer une fois. Oh non, pas encore un caca, là. J'ai une barre de ce Dante! Sale pute, je sais que t'es une traître. Traîtresse. Oh! What the fuck? Ah oh, putain, je déteste ce boss. Franchement, je déteste ce boss. Trish, stay back! Bah, en même temps, elle peut pas passer en fait donc. Ok, direct, ça me va. Oh! Ah putain, pas lui. Ah putain, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était moi qui étais mort. N'importe quoi. Allez. Même pas eu besoin de ce heal, c'est cool. Hop! Putain. Ah c'est cool, la caméra me fait toujours chier. C'est vraiment pas le moment là par contre. Si je me mettais dessus. Voilà. Tu vas faire quoi? Ah putain, il peut me toucher. Bâtard. Voilà, voilà! Putain! Le fun commence! Bon, vas-y. Prends-moi. What? Je sais pas si je la claque. Okay. Tu me laisses pas finir mon boss. C'est comme ça le jeu. You fool. You're so sale pute. Easy. Trish, you? Yes, me. Humans, what sweets. You should know better than to trust a stranger. Your presence has become a hindrance to my master's bloody scheme. Now die. Wow! Esquive! Oh putain. Ah! Alors, tu vas pas me faire chier. Ça, c'est de la merde à esquiver. Ah!
Allez, ça dégage! Désolé, je crie un peu, mais je déteste ce boss. C'est vraiment le pire, quoi. Allez. Retourne à ton état de pouce interdimensionnel. Pas que ça va faire. Qu'est-ce que quoi? Pourquoi tu veux la sauver? Pourquoi tu veux la sauver? Mais pourquoi? Évidemment, il a réussi. Mais pourquoi? Ah, il veut du boobs. Il veut du nichon. Ah. Tellement sexy avec ses gros polygones. Tu m'as sauvé. Dante. Ferme ta gueule. La pute. Dante, why did you save my life? Why not? T'as un problème de sourcil, meuf. Because you look like my mother. Un gros problème de sourcil. Get out of my sight. The next time we meet, it won't be like this. Ah, King Gentleman. Dante! Don't come any closer, you devil! You may look like my mother, but you're nowhere close to her. You have no soul. You have the face, but you'll never have her fire! Ferme ta sale gueule. Ferme ta sale gueule. Voilà. Eh ben, on s'en est plutôt bien sorti. Putain, pourtant on s'en est bien sorti, je sais pas. Grotte vivante, faites battre le cœur pour ouvrir le dernier portail. Let's go. Oula. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Bordel. Open it. Ok, tu sers à rien. Il se passe quoi là-dedans? Ah d'accord, c'est là d'où on vient. Enfin, j'espère que c'était la dernière pause interdimensionnelle. Je sais pas que ça va faire. Ah. En gros, tu t'ouvres quand je m'éloigne. Bon. Ah, c'est le fameux cœur. Et sinon, il est dans l'organisme de quoi, là? Bon, je suppose qu'il faut quand même aller là-haut. Tu peux... Voilà, merci. Ah. Dégueulasse. Je ne sais pas encore fait attaquer, c'est très bizarre. Ah, ça y est, je les entends, les ennemis. Bon, vous êtes où? Ah, on est dans un colon encore, yes. Qu'est-ce que ça? Ça m'attaque? Ok, ça m'attaque. Laissez-moi tranquille. Ah, ah. What the fuck? Ouais, je fais comment? Ok. Y'a rien. Je suis pas là. Caméra de merde. Attends, ferme-la. Voilà. Oui, c'est mieux comme ça. Putain. En plus, je peux pas rester sur place. Super le jeu. Ok, on repart dans le colon. Ah! Putain, je les aime pas. Ouais, shit. Ouais, mais si je le vois pas, je fais comment, moi? Non, la caméra me pète les couilles, c'est un truc. Ça me donne faim, ce donjon. Oh là là, mais les dégâts. Yes, de la vie.
Ah! Putain! Mais. Non, c'est une blague. Mais tu peux viser en fait! Putain! Allez, crève! Yes! Putain! Où suis-je? Oh putain! Là, c'est de la lave quand même. C'est où? Balcon. Ah là là, ça c'est trop long ça. Ok, où suis-je? Ah. Wouhou! Ok. Le cœur qui bat. C'était l'objectif. Yes. Oh, mais c'est dégueulasse. Non, j'aime pas les niveaux comme ça. Ah, il y avait 3 mains, 4! Ça fait beaucoup, hein. Allez, on descend d'ici. Oh, ça vibre vénère, hein. Si vous aviez la manette en main, là. Holy shit! Putain, 10 minutes, mais c'était tellement intense.